Bienvenue à votre émission Remue-ménage. Nous voilà la leçon de mardi. Investiguez. Lisons Romains 6 et versets 3 à 10, Marc 8 et versets 34 à 38, 1 Pierre 5 et versets 2 et 3 et 1 Thessaloniciens 1 et versets 5 à 7. Romains 6 et versets 3 à 10. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Verset 7. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Marc 8, les versets 34 à 38. Puis ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme? Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » 1 Pierre 5, versets 2 et 3. « Paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage mais en étant les modèles du troupeau. » 1 Thessaloniciens 1, les versets 5 à 7. « Notre évangile ne nous ayant pas été prêché en parole seulement mais avec puissance, avec l'Esprit Saint et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous nous sommes montrés ainsi parmi vous à cause de vous. Et vous-même, vous avez été mes imitateurs et ceux du Seigneur, en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations avec la joie du Saint-Esprit, en sorte que vous êtes devenus un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. » Remenège, quelle relation ces versets ont-ils avec le passage principal? Quels autres versets ou promesses vous viennent à l'esprit en rapport avec le discipulat et les gens? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue-ménage. Remue-ménage. Remue-ménage.